problèmes de pénis, tu rentres toujours dans du 6 ans ? Salut à toutes et à tous, c'est X-Rouget, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, en effet, ça tournait. Oh merde. Je suis en compagnie de Zeta. Salut Zeta. Coucou. Tu veux voir ma bite ? Je l'ai déjà vu. Tout le monde sait quand je joue tout nu. Non mais ça, ce n'est pas précisé pour nos chers auditeurs. Bon, on se retrouve du coup, tu es le partenaire idéal pour ce jeu. Et pas que pour ça. Et pas que pour ça, bien entendu. Mais on va pas commencer, s'il te plaît. Pas de soucis, je me tais. Donc on vous présente Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10 sur PlayStation 4. Un jeu édité par Warner Bros. Game, développé par NetherRealm Studio et sorti officiel le 14 avril 2015. Et Peggy nous le déconseille au moins de 3 ans. Non, je déconne, moins de 18. Finish him. C'est ça. Connu, bon, bien sûr, pour ses fatalités, Mortal Kombat est un jeu référence dans ce style du jeu vidéo qui est donc combat, comme il est si bien dit dans le titre. Donc voilà, gore à n'en plus finir, les fameux fatalities qui honorent ce jeu, enfin on sait très bien à quoi s'en tenir. Je vais d'abord faire donc du coup une brève présentation, si tu permets Zeta, de montrer les nouveautés. Aucun souci, vas-y. Avant de lancer une partie entre nous. Pas de problème. Comme vous le voyez sur le côté gauche, il y a écrit « Guerre des factions ». La guerre des factions, qu'est-ce que c'est ? Vous aurez 5 camps, dont un en particulier que vous pourrez choisir. Vous pouvez bien entendu changer de faction quand bon vous semble. Mais toutes les semaines, il y aura des combats en ligne à faire entre les joueurs dans le réseau mondial. Voilà, c'est à l'échelle mondiale. Vous choisissez un camp et vous faites des matchs contre d'autres factions. Et à la fin du mois, une faction est déclarée faction vainqueur pour tous les points engendrés pour celle-ci. Et ça rapporte pas mal d'avantages apparemment. Voilà, on ne sait pas encore quels avantages. Mais il y aura sûrement des skins, des croquis à gagner, tout ce qu'on pouvait gagner, comme par exemple là, voilà, on a le curseur sur crypte. On sait très bien, bon voilà, la crypte qui est toujours présente, aller dans cette espèce de pseudo-cimetière, ouvrir, profaner des tombes et on obtient des images, des fatalities supplémentaires, des skins et autres. Toujours aussi sympathique d'ailleurs. Magnifique. Moi j'adore aller profaner des tombes. Moi. C'est un de mes passe-temps du samedi matin. D'ailleurs, ce soir, t'as un truc de prévu ? Non, pourquoi pas, allez. Super, j'adore. Donc du coup, au milieu, vous voyez Goro, ce sera un des personnages achetés ou alors déjà disponible en DLC si nous prenons le Season Pass. Je tiens à préciser que le Season Pass rajouté au jeu qui coûte 69,99€ dans la plupart des points de vente, le Season Pass coûte 29,99€. Goro, donc du coup, fera partie des personnages prochainement jouables, donc achetables sous les DLC. Une rumeur comme quoi un Predator serait bientôt disponible, on a vu ça dans différents réseaux sociaux. En sachant que Goro, ça fait vraiment plaisir de l'avoir en personnage jouable, parce qu'on l'avait pas dans MK9. Il y était un des ennemis, mais voilà, exactement, ouais. C'est ça. Nous avons donc du coup aussi Jason, qui arrivera bientôt. Je rappelle que dans MK9, nous avions Freddy Krueger. Et là, c'est son rival, Jason, du film Vendredi 13. Voilà. Il massacre à la tronçonneuse. Bref, voilà, j'en passe de bon nombre de films d'horreur où est-ce qu'il a pu apparaître avec son magnifique masque de hockey qui le rend si bien... Horrible. Oui, enfin, aussi. Sexy. Voilà, il est tellement beau. Je vais vraiment arrêter de dire de la merde. D'ailleurs, je sais plus si t'avais précisé que c'était bien Warner Bros. L'éditeur. Oui, j'ai dit que c'était Warner Bros. Game qui avait édité le jeu. Pas de soucis, t'as dû parler très vite. Oui, c'est ça, un rythme dans mon dialecte qui est frôle la perfection. J'étais peut-être coincé dans ma honte de ma petite punchline de début de vidéo. Non, mais c'est pas grave. Rappelez à tous que j'ai une petite bite et que je veux des enfants, c'est super. Alors du coup, à droite, nous avons les tours vivantes, pas encore disponibles parce que, je vous le précise, nous avons eu la chance d'obtenir le jeu avant le jour de sa sortie, et donc pour l'instant, les DLC tout ça ne sont pas mis en avant dans le jeu. La tour des vivants, on suppose que c'est forcément la tour en ascension ou en descente avec les différents niveaux qu'il y aura à voir dans le jeu. C'est une tour vivante. Une tour vivante. Mon dieu. En ascension ou en... Ou en descente. Ouais, voilà. Voilà. Tu vas te taire, oui. Je suis taquin aujourd'hui. Oh mon dieu, le grand taquin. Point positif, du coup. Bon, mais les graphismes, on a pu y jouer brièvement. Qu'est-ce que t'en penses déjà ? C'est énorme. Moi, je trouve qu'au niveau des textures... Ouais. Des shaders, il y a un truc qui est fait, qui est, enfin, je sais pas, un travail qui est accompli, qui est vraiment énorme. Ouais. J'ai été bluffé, et c'est rare parce que jusque-là sur Play 4, bon, mis à part certaines rééditions et tout, bon,
Par exemple, je repense à The Amazing Spider-Man 2, ouais, que tu n'avais pas testé, je crois. Mais en attendant, ça m'avait un peu déçu au niveau des graphismes. Mm. Mais alors, celui-là, c'est juste exceptionnel. Franchement, voilà, on parle du coup aussi d'un jeu next-gen, comparé à MK9, qui nous avait habitué à du 720p en 30 FPS. C'est sûr. Faut être que convaincu par rapport à la puissance de la next-gen. C'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi ça qui entre en jeu. Mais disons que ça a l'air bien exploité, quoi. C'est sûr. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet de la next-gen. C'est pas les débuts un peu fébriles. Là, on est dedans, quoi. C'est vraiment... Et puis, en même temps, c'est le 10e opus en jeu de salon. Donc, du coup, sans compter, bien sûr, les autres... Les Shaolin Monk, Armageddon et autres petits contenus additionnels qu'on pouvait avoir sur console portable ou autre. C'est sûr. Donc, du coup... écoute, on va lancer un match. On va vite fait présenter, du coup, les nouveaux personnages, quand même. Vas-y, vas-y. Les gens sont là pour voir ça. En précisant, quand même, dans les menus, hein, je sais pas si t'as vu, mais... J'ai l'impression qu'on peut faire moins de choses en multijoueur que ce qu'on pouvait déjà faire dans MK9. Le principe d'avoir deux combattants en même temps, avec un ami en 4 joueurs, c'est-à-dire 2 contre 2. D'ailleurs, je tiens à te préciser, parce que ça je te l'ai pas dit avant, sur la jaquette j'ai vu qu'on pouvait jouer qu'à 2 joueurs max. Et ouais, mais c'est... Toi c'est... tu m'as affirmé qu'on pouvait jouer à 4 à MK9. Sur MK9, je sais pas si tu te souviens, tu pouvais faire du 2 contre 2, c'est-à-dire on pouvait avoir une équipe de deux joueurs qui contrôlaient respectivement un personnage, et on avait un combat comme ça, en gros, en 2 contre 2, il suffisait d'appuyer sur L1 pour switcher, et c'était déjà pas mal, quoi. Alors que là, on retrouve pas ce mode de jeu. Bon, peut-être plus tard dans une mise à jour, ou peut-être qu'ils ont déterminé que c'était pas nécessaire, mais il y a quand même des nouveautés, donc à mon avis, tu vas parler. C'est sûr. Les nouveautés, notamment de choix de technique. Ouais. Pendant que tu me parlais, tu vois, j'étais resté vite fait sur Kung Lao. Comme on peut le voir, il a été grandement vieilli. Je rappelle que MK10 se passe 25 ans après les events de MK9. Donc nous aurons beaucoup de nouveaux personnages, comme la plupart, pour être les descendants de joueurs que nous connaissions déjà. Nous avons par exemple Takeda, qui est le descendant, du coup, de Kenshi. Ouais, logique. Nous avons, du coup... Cassie Cage. Ils ont de bons gènes quand même, ils se ressemblent. C'est ça, voilà. Après, bon, mais pour Johnny Cage. Jackie Briggs pour Jax. Et Kung Jin pour Kung Lao. Et bien d'autres descendants. Les nouveaux persos que l'on a vus dans bon nombre de vidéos sur Internet. Voilà, nous avons Dvora et Ferator, donc du coup, la petite qui est sur son titan. D'autres personnages que nous avions aussi moins l'habitude de voir ont été... remis sur le jeu, mais bon, je trouve qu'il y a moins de persos. Je sais plus. Ouais, il y a l'air d'y avoir moins. En fait, sur console portable, en fait, il y en avait qui étaient pas souvent là. Mais par exemple, je pense par exemple à Kenshi. On l'a vu dans MK9, mais oui, il n'était que dans sûr. Les DLC, par exemple. Mais je me tu souviens vois. De lui. Oui, mais oui. Kenshi était un personnage à part entière dans certains Mortal Kombat, et là, d'accord. Ils ont été vraiment mis pre-made sur la sélection caractère. D'accord, ok. Okay, donc okay. Voilà. Parce que Fera et Thor, ils me semblent pas. Ce sont des nouveaux. Ouais, voilà. C'est vraiment des nouveaux. Je me disais, je les avais jamais vus. Oui, effectivement. D'accord. Ce qu'on va faire, les nouveautés. Bon, tu peux appuyer sur croix du coup pour choisir ton personnage. Pas de souci. On va faire le bon vieux combat des familles. Je te rappelle qu'on a fait bon nombre de versus toi et moi, et que malgré tout, on n'a jamais changé de personnage. Ben c'est surtout dû au fait que voilà, moi ça depuis que je joue à des Mortal Kombat et j'y ai joué sur de vieilles consoles et enfin c'était vraiment un de mes jeux préférés. J'y jouais tout le temps avec mon frère. Enfin c'était. Pour moi, ça reste un jeu d'anthologie, une licence d'anthologie. Mmh. Et j'ai toujours adoré Sub-Zero. Donc, je reprendrai Sub-Zero. Voilà. Les nouveautés que tu as brièvement passées, moi, je vais m'attarder dessus. On peut choisir maintenant des variantes. Il y a j'ai trois styles de variantes. Comme vous pouvez le voir, par exemple, Scorpion avait, pour ceux qui savent le jouer, avait son épée. On peut choisir donc du coup le ninjutsu, mais si on veut avoir les points de feu, etc., incendiaire, faire le fameux triangle bas droite ou bas gauche pour foutre le feu à son adversaire, ben ça on peut plus le faire si on a pris l'épée. On a différentes techniques de gameplay, et quand on joue en réseau, ben l'adversaire ne sait pas quel type de variante on a pris, donc ça fait aussi un petit peu l'effet surprise. On sent que MK a voulu un petit peu mettre du compétitif dans son jeu, d'avoir un jeu beaucoup plus versus qui peut s'orienter limite peut-être sur l'e-sport, comme pourrait le toucher un Dead or Alive, un Tekken ou un Street Fighter, Soul Calibur et j'en passe. C'est sûr que ça rajoute une petite difficulté d'appréhension de l'adversaire lorsqu'on fait un combat. Or, il y a certains personnages, par exemple, si je prends par exemple, où est-ce qu'il est Keno ? Il est là. Voilà, on peut le voir par exemple à sa couleur, quel type de variante il a pris, donc on peut déjà deviner avant à la sélection de personnage. À quoi on va avoir affaire. Toi, Sub-Zero, si tu remarques bien, quand tu choisis l'épée, il a. Les bras qui viennent plus bleus. Voilà, après sinon, il a le masque qui devient. Change, voilà. Et là, je sais pas trop. Ouais, il a juste le symbole sur la poitrine. Il a le symbole de son clan, ouais.
C'est ça. Ouais, moi après, bon, après on peut le voir qu'il a l'épée dans le dos, il a les poings en feu, et là, on ne voit rien, c'est génial. Et là, pyromane infernal. Mais je pense que c'est... d'un côté, c'est pas mal, après, j'ai peut-être le petit regret qu'on puisse pas changer ça in-game, ou changer ça peut-être de manière, tu vois, je sais pas, intempestive en... Je me souviens, tu sais, de ce mode dans MK9. Je crois, enfin, c'était un mode un peu débile dans lequel il y avait plein de paramètres qui se changeaient automatiquement. Ouais. C'était un peu un mode arcade. D'ailleurs, je me demande si c'était pas mode arcade. Et c'est dommage parce que là, du coup, on est un peu, on choisit. Donc, à mon avis, on est vraiment dans du compétitif. Ouais. C'est ce que je disais. Après, peut-être un petit point négatif que j'ai eu à noter pour l'instant. Tu m'as dit que bon, le jeu venait à peine de sortir, enfin entre guillemets illégalement, vu que ce n'est pas la date de sortie officielle par rapport à laquelle nous sommes en train de jouer. Effectivement. Donc du coup, on a pu remarquer quand même une absence qui est par exemple la dégradation corporelle, le hit sur les corps, les peaux, la peau qui se déchire, les vêtements en lambeaux, etc. Tu m'as dit que peut-être il pourrait y avoir une mise à jour. Je pense qu'il va y en avoir une aussi parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une dégradation physique. Exactement. C'est les petits méchis en fait. C'est des petits fichiers. Qui pèsent pas très lourd mais qui sont très très nombreux. Et souvent lorsqu'on a des jeux sur console aujourd'hui, pour limiter la place sur le Blu-ray, ce genre de fichiers sont pas directement ajoutés mais sont téléchargés. Donc je pense qu'à venir. Et probablement dès la sortie du jeu, ce genre de petits détails sera ajouté. Mais je pense que là c'est probablement parce qu'on a la chance d'y jouer en avance. Ouais. C'est sûr. Après, bon, voilà. Bref, parenthèse, comme vous pouvez le voir en bas à droite, il y a par exemple la monnaie des Coin Combat. Je suis à 2111. En fait, c'est la monnaie que l'on peut utiliser dans la crypte, etc. Mais ça, le jeu vous l'expliquera si vous ne passez pas le didacticiel et je ne vais pas m'y attarder dessus. On parle déjà depuis un petit bout de temps, autant faire le combat. C'est vrai, ouais, allez, on y va. Et là, puis on va moins rigoler, là. Allez, allons-y. Magnifique, si déjà tu commences, ça va partir, allez, on va voir qui c'est qui va gagner ce pseudo versus. mais là, ça commence très très mal déjà pour moi. La vie descend, je trouve, super lentement. C'est... Ah bon, ben moi j'allais te dire que je le trouvais plutôt rapide au contraire. Génial, allez, le Frozen quoi, c'est super. Allez, j'étais gentil quand même, j'étais pas trop trop baisé la gueule encore. Ce qui veut dire que je vais en bouffer plein dans la race il y a 2 secondes. Ouais, mais ça c'est parce que je suis plutôt mauvais, mais... Ah, mais en plus, tu le sais, tu l'attends ça, toi. Ouais, mais maintenant j'en ai trop... Oh non! Le X-Ray! Oh non, le X-Ray! Aïe, aïe, aïe! Ah, oh, j'aurais plus mal aux dents. Ah ouais, j'aurais plus mal à la tête, j'aurais plus mal au cervical. Mais tu sais quoi? Je m'en fous, je me relève. Je me relève, je suis Sub-Zero, je m'en bats les couilles. Sub-Zero, il s'en bat les couilles. Oh putain. Sub-Zero l'emporte. Oh, la c'est ce qu'on appelle la pichenette du museau, tu vois. Comment te remettre à ta place? Oh merde. T'étais tout feu tout flamme. Tu es givré, Freeze. Oh merde. De la mort. Oh damn. Putain. Ça c'est fou ça. Autant j'ai de l'allonge maintenant avec ces putains d'épées. Enfin au moins il utilise les deux épées, ça c'est cool. Avant je pouvais faire que des vieux coups de merde, enfin c'est... Ah t'aimes bien, t'es encore un adepte de la téléportation à ce que je... Ah oui, alors ce marteau c'est une nouveauté que je trouve plutôt intéressante en fait. Mais en plus, non seulement t'as une putain d'allonge, et en plus ça fait mal quoi. Mais ouais, que veux-tu? T'es pas le premier à mais me dire ça. Mais c'est pas vrai. Ok, bon ben ça va se finir rapidement malheureusement je crois. Allez, aïe. Coucou je panier, finish Allez, him. Vas-y, fais-nous ton fameux finish him. Oui. J'y suis arrivé pour la vidéo, oui on gagne le trophée. Alors que normalement tu sais que dans le versus t'avais fait un quoi ça s'appelle Scratch. T'avais fait un vieux rond avec Kung Lao. J'avais oublié, ouais, je t'avais mis le petit coup de talon retourné. Bon ok, j'ai bien bouffé, ce qui veut dire que j'ai encore à m'entraîner si on doit faire un versus prochainement toi et moi. Ben je pense que ça mérite un petit versus, surtout que je pense que je vais probablement me le prendre parce que ce genre de jeu j'adore, j'en raffole, j'en suis friand. Je m'en délecte. Oui. Fais-toi choisir au pire un nouveau combattant. Ah, bah si oui, tu veux. Oui, on va toujours en deux. On a joué que Sub-Zero et Scorpion, toi et moi. C'est vrai, ouais. Donc, on va découvrir nos nouveaux personnages. Pas de soucis. Je n'ai jamais joué avec un autre, mais autant pour la vidéo test, on va pas se faire juste un petit combat. On va offrir un petit peu plus de contenu. Je vais prendre Kenshi, qui pour moi a été le deuxième perso que je savais le mieux jouer. Mais bon, ne connaissant pas du tout le gameplay maintenant. Alors, je vois avec dépit qu'il y a plus Smoke. Que j'adorais dans MK9. Mais Noob Cybot non plus. Ouais, après, il y avait les deux cyborgs là. Putain, comment ils s'appelaient déjà Syrax et. Et merde. Et Robocop. Ouais, voilà, Robocop. Ouais. Et Iron Man. Merde, c'était qui? Sector. Sector et Syrax.
C'était. Voilà. Ouais, je me souviens. Donc moi, du coup, je vais peut-être prendre. Je n'ai pas moi l'équivalent féminin de Sub-Zero que j'aime beaucoup, Frost. Elle, elle n'y est jamais. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu prenais Kung Lao, toi, je me rappelle. Kung Lao, ouais, mais je cherche. J'ai... Bon, le vieux. Liu Kang, il est à côté de du pistolero. J'hésite entre Liu Kang parce que vu qu'ils l'ont vieilli, ça peut être sympa à montrer. Ouais, bah après Kung Lao est vieilli aussi, hein, comme ouais, tu peux le voir, ouais, la mini barbiche. C'est vrai. Il y a Raiden aussi. Ah, c'est le choix est difficile. Le choix est difficile. Oh, surtout, il faut regarder. Alors, point de flamme, ça m'intéresse. Feu de dragon, non. Et dueliste non plus. Et lui, il propose tempête, chapeau, virvoltant, trancheur. T'as vu, le chapeau change en fonction. Là, oui. C'est carrément les chapeaux. C'est classe. C'est trop classe. J'ai pas vu qu'est-ce qui changeait sur mon personnage. Ok, là, les yeux. Oh, j'ai pas le bandeau. Ah ouais, t'as les yeux bleus. Ouais, bon, normalement, je rappelle pour les connaisseurs de Mortal Kombat que Kenshi était l'adepte du Madao, donc le combat, le style de combat de l'aveugle. Et bon, ben là, je vais voir s'il a les mêmes techniques de combat. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi, écoute, du coup? Je pense que je vais le prendre en trancheur. Eh ben, vas-y. Mais j'hésite encore. Bon, quoique, allez, on va donner un peu de plaisir à tes abonnés. On va leur faire un peu de... Le héros emblématique de Mortal Kombat. Exactement. Utilisé dans ce magnifique film Mortal Kombat que j'avais sur VHS, où est-ce que Lambert faisait Raiden. Ah, putain, oui, c'est magnifique. Vrai. Superbe, oh là, film, j'adore. Ce film. Mais et après, ils avaient fait une série aussi. Et dans la série, tout le monde crevait à la fin n'importe comment. Mais oui, c'était un... Je me rappelle plus, mais cette série suivait plus Reptile qu'autre chose, j'avais l'impression. Moi, je le voyais dans tous les épisodes. C'était un truc de fou. N'importe quoi. Bon, allez, point de flamme, hein, parce qu'il n'y a pas de respect et que j'ai pas envie de te prendre un petit Hadoken là. Un Hadoken? Bah ouais, parce que sinon il y avait lancé de flamme. En mode on s'appelle. Et oui, il a les petits doigts en mode Brice de Nice. C'est ça. Ça farte. Ça va moins farter pour moi dans quelques temps. Mais bon. On sait pas du tout. Hein, là. Par contre, je vais pas pouvoir donner grand chose. Ah, mais moi non plus. Là je vais découvrir les touches en même temps que toi. C'est ça qui va être bon. Oui. Le mini-dialogue à chaque fois au début entre les personnages. Et j'ai pu voir qu'ils étaient plus ou moins personnalisés. Oui, en fonction, c'est adapté en fonction des... On a eu tous les deux le même réflexe de repoussement. Tu veux pas qu'on regarde les touches? Non. Allez, j'ai en mode YOLO. Et il y a des bocaux dégueulasses, là. Ça va être un gros combat d'handicapés. Attention, le combat d'handicapés. Oh là là. Ça va être magnifique. Wata! Ah, j'ai enfin dû... Wata! J'ai pu utiliser l'épée. Dans deux... Aïe, aïe, aïe. Oh yes, touché. Oh, j'adore. Oh, mais ça va, tout va bien finalement. Oh, mais il est parfait. Il est parfait, le X-Ray. Allez, tiens, mange ça. Mais il y a le marteau de Thor, t'as vu? Aïe. Tu le voulais, le marteau? Je pensais que t'avais pas le cœur aussi pur. Ah. Kenji Girac l'emporte. Non, Kenshi déjà. On a dit qu'on ne citait pas des noms de merde. Je suis désolé. Je ne le referai plus, maman, c'est promis. C'était plus fort que moi. Ah, voilà, c'est bon, j'ai enfin compris comment me faire les armes. C'est génial. Tu t'es pris pour... Hein? Tu t'es pris pour un fantôme? Oui, c'est ça. Eh, mais les techniques, je les ai plus du tout. Bon, t'as fini, oui? Attends, je te rappelle comment tu... Oh, mon Dieu! Ça, c'est des coups à la Scorpion, ça, de faire des ouais, halos de flammes là autour de soi. Je trouve qu'il y a beaucoup de flammes, alors que normalement, tu sais, c'est censé être le personnage qui se bat très très vite. Ouais. Putain, mais je choisirais plus le Soul, là, pour le Kenshi, quoi. J'arrive pas à les faire. C'est génial. Aïe! T'imagines le mec dans la rue, il te voit. Et t'as vu le mec bizarre, un peu à côté, là? Alors, attends. Oh, et là, tu rajoutes les touches. Mais oui, mais en même temps, finish him, mec. Fatality. Fatalité facile. Non, c'est quoi déjà? C'est où? Choix du personnage, configuration de la manette. Non, mais dis pas qu'on peut pas les choisir. Ah, si, c'est liste de coups. Voilà. Tu vas dans coup fatal. Complètement. Dans les coups fatos? Ouais, les coups fatos. Les coups fatos. Hélico télékinésique. Alors, c'est ça contre... avec ta bite. C'est que des touches? Bah oui. Faut pas faire normalement. Gauche, une droite, action. Gauche. Non. Gauche, droite, gauche, gauche. Bon. Non. Non, mais parce qu'il faut être soit plus près, soit plus loin. Le problème, c'est que t'as pas fait le didacticiel. Donc bon, c'est pas grave. Allez, dégage. Tant pis. Tu m'as soufflé dessus, là, en fait. Je t'ai soufflé dessus. En plus, je t'ai même pas touché. On la rejoue. Parce que du coup, ça va très très vite. Tu sais, ce que je pensais, c'est que pour montrer aussi une nouveauté, ouais. On va montrer, pour pas non plus faire trop de spoil, juste 3-4 fatalities et de personnages qu'on n'aurait pas pu voir en réseau. Plutôt pour terminer. Moi, pas je pense soucis. Que c'est autant offrir du contenu, autant montrer des choses qui plaisent. Tu peux finir sur une victoire. Je veux finir sur un match nul surtout.
Oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, attends. Visorel, Sanégringe, on ne change pas une équipe qui fait match nul. Exactement. Entraînement au Fatality, donc on va voir ce que Kenshi faisait. Vas-y, vas-y. Et tant qu'il chante pas andalouse. Oh putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais oh, t'as merde. Une arme, toi, dans la vie ou quoi? Je sais pas. C'est comme ça, au moins, ils pourront voir aussi des fonds de map différentes. Ça peut être sympa. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je suis désolé pour ces blagues. Non, non, c'est pas grave. Mais bon, tu sais, je suis habitué maintenant. Mais bon, allez, tu vois, je te laisse le choix des deux prochains combattants que je montrerai en fatalité. Pas de souci. Je te laisse choisir en attendant. Alors, moi, je devais faire. Oh, ah, tu putain, vois, il fallait être si loin de ça, mais t'es sérieux. Voilà. En plus, elle est pas dure. Hein. Il faut juste calculer la distance. Oh non. À mon avis, ça oh non. Ah, ça va être sympa, là, à mon avis. Et deux. Ah. Oh merde. Ah. Qui voulait du en mode like a boss. En mode Hachi Parmentier. Ah ouais. Waouh. Et ben là, il a préparé un tartare. Hein. Dans un futur proche, Kenji. Kenji. Kenshi, pardon. Putain, tu commences à me faire dire de la merde. Kenshi a ouvert une boutique de produits cachers. Oh non. Alors, vas-y, qui c'est que tu veux qu'on prenne? Alors, écoute. Parce que les nouveaux persos ont été montrés. Lui, par exemple, je ne l'ai jamais vu. Alors, ben, prends Aaron Black et mets-nous. Comment il s'appelle? Je pensais à ce cher. Pas Scorpion. Oh, comment il s'appelle lui? À qui? Reptile, reptile. Reptile? Bon, trop tard. Ah, on verra pour le prochain. Ah non, non, mais je parlais. Enfin, là, tu m'as dit Reptile, c'est celui que je ferai après Aaron Black. Ouais, pas de soucis. Voilà. Et on finira là-dessus. Bon, alors, du coup, ton ressenti sur MK10, qu'est-ce que t'en penses, quand il même a l'air, il a l'air vraiment énorme. Je trouve que les graphismes, c'est très très positif, très compétitif, donc c'est bien. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de longues trucs, il va y avoir de longues parties. Par contre, j'ai l'impression qu'il est moins destiné à jouer entre potes, comme ça, les uns chez les autres, vu qu'on peut jouer à moins de joueurs qu'avant. Oh, oh putain. Oh, mais c'est du sable. Oh, damn. Oh, le Dost. Oh, merde. Ah ouais. Ça nous a bloqué là. Oh damn. Oh. Donc tu disais. Ouais, donc je disais, je pense qu'il a, il se prête moins à l'arcade. Tu vois ce que je veux dire? Il se prête moins à jouer entre potes comme ça pour une partie des connades. Ouais. Genre on est à 4 sur le canapé, chacun un personnage. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais il est plus compétitif, c'est centré autour des factions, des trucs. Ça c'est bien sur le jeu en ligne. Voilà, après je vais encore continuer sur les graphismes qui ont vraiment l'air pas mal. Et... bah c'est surtout le gros point quoi, oui voilà. C'est sûr. C'est vraiment un jeu next-gen quoi. Alors, allez, le dernier. Fais-nous rêver. Non merde, déjà si je me trompe. Putain, il a une longueur. Ah ouais, mais je peux le faire d'où je veux en fait. Ouais, en même temps, mais l'allonge de crachat qu'il a. Oh. Mais j'adore. Je vais t'ouvrir ta tête comme un livre. C'est bon, nous avons enfin la définition exacte de cette... C'est génial. Et bien c'est sur cette magnifique image de Liu Kang se vide de son sang. Voilà. Qu'on va stopper la vidéo là-dessus, je pense qu'on en a assez vu. C'est ça, mais j'avais peut-être envie de dire, ça me fait penser, tu sais, à Booba et Karis quand ils chantent dans Kalash. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va sortir le premier? Ah ben là, en même temps, les deux n'y sont plus, donc à toi de voir. Ah ouais, c'est vrai, en plus, il a pris prise dans les orbites. Oui, il a fait en version la montagne de Game of Thrones. T'es. C'est magnifique. Dégueulasse. Bon, eh bien écoute, Zeta, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Mais de rien, je t'ai plutôt trollé bêtement. Mais c'est pas grave, au moins ça me fait du contenu, j'adore faire des vidéos avec toi, tu le sais. Bah écoute, moi et aussi. Et plus si affinité. Évidemment. Bien entendu. Bon, et bien sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt, et je vous dis à ciao tout le monde. Cette vidéo était entre autres dédiée à Elvatos12. Ciao ciao. À plus.